aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui moi et mon frère, on va visiter Rolex. On va aller visiter. Toi tu chantes, tu dis de juste parler, t'es bien contenté. On va aller visiter Rolex. C'est un gros mot. Stop. Ouais, Rolex. Like, Rolex. 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 Donc là on va y aller. Ce n'est pas les pires pistes que j'ai vu cette semaine, bro. Young singer, singer, sexy lady. Bon, les gars, il y a comme 4 sécurités à l'entrée. On peut rentrer. Oh, tu sais qui s'est levé. On avance, il s'est levé. C'est pour ça qu'on peut rentrer comme ça, bro. On peut pas. Oh, ouais, on peut pas filmer ici. Chaise, on peut pas. Pas de photos ou de vidéos. Sauf les gars. Et on va éteindre la caméra et puis on se retrouve tout à l'heure. Oh bon, on est rentré à l'intérieur. On n'a pas pu filmer. Pas de photos ni de vidéos. C'est pour prévenir les cambriolages. Pour pas pour connaître les choses, tout ça. Ouais, c'est ça. Puis à l'intérieur, on dirait que c'est plein de montres ensemble. Hein. Et comme on va dire, s'il y a des montres quartier, il y a Rolex, il y a pour Hublot. Chaque montre, il y a un spécialiste. Ils sont tous habillés, tout en noir, comme professionnels, comme dans les films, la Costa, tout bien habillé. Avec une petite musique de fond. Tu vois les musiques douces là, ça c'est pour les riches. C'est vraiment pour les riches. Et puis. Je pense qu'on a été dénigré à un moment. On est entré à l'intérieur, on regardait les montres et tout. Je suis arrivé devant une Rolex. Déjà, je sais pas pourquoi tu parles autant, bijoux. Ouais, il y avait 3 gars doux sur nous. Qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qui se passait? Dis. Mais les deux gars là, ils disaient. Ils riaient de nous, hein. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais à venir ici en jogging? Jure? Tu mens? Ouais. Non, je jure, ça me fait mal au cœur, ça. Je jure. Je veux pas dire qu'il y a des larmes, mais je vais mettre la caméra sur le bijou, il peut parler. C'est tout le monde qui a vraiment dit ça. Ouais. Ça, j'ai entendu. T'as vraiment entendu ça ou bien comme j'ai vraiment entendu ça. Parce qu'ils ont dit jogging et ils avaient pas de jogging. Donc ils ont dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Les gars, de base, on voulait aller où même? À Gucci. Et là, en marchant sur la route, on a vu qu'il y avait un Rolex. Ouais. Donc on s'est dit, oh bijou, on s'arrête, on va à Rolex. Et là, on rentre dedans, on n'a pas le droit de filmer. Yo, ça serait pareil pour Gucci. Non, je pense pas. Parce que Rolex, c'est plusieurs des montres. Gucci, c'est des vêtements. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça serait possible de filmer. Bijou est là en train de me plaire, je sais pas pourquoi il parle. Je suis là en train de regarder les montres, je suis intrigué et tout. Il est là. Je dis, mais tu veux faire quoi ici? Tu veux faire quoi ici? Clarisse, il veut leur montrer que oh, c'est mon frère qui veut venir, c'est pas moi. Ouais? Non, t'es bizarre. Ah, vous, j'ai jamais parlé de Rolex, hein? Non. C'est pas une montre qui m'intéresse du tout. Genre, ça sert absolument à rien de payer combien? 10 000 balles? 50 000 $? Non, c'est pas 50 000. Tu peux trouver une Rolex à genre 10 000 $. 10 000 balles? 10 000 balles pour une montre, c'est ça. Pour un truc qui tourne, que tu vas même pas regarder l'ordre avec. À cause de ce qui s'est passé là, hein. J'ai acheté une Rolex, je m'en fous, juste à cause de ça. Les gars, je vais venir dans ce store là, faire un screen record, ok? Dans quelques mois ou quelques années, je vais revenir avec bijoux, habillé en fucking jogging, je m'en fous, je vais habillé en short, je vais acheter une Rolex dans leur face, bro. Juste pour ça, non. Ils sont là à nous regarder nos habillements et ils se sont dit, oh, comme ça habillé, est-ce qu'ils vont vraiment acheter une Rolex? Qu'est-ce qu'ils font ici? Je ressentais comme qu'ils nous regardaient. Regarde comme c'était derrière nous, quoi. Et comme... à la fin, quand on essayait de sortir, les trois avançaient. Bro. Les trois avançaient, ils nous suivaient. Parce qu'on a quitté la rangée des montres Rolex pour aller faire les montres quartier. Ils étaient derrière nous encore, comme ça. Je vais acheter une Rolex, juste pour leur prouver que comme, ne vous fiez pas aux apparences, je vais acheter une Rolex. Et la Rolex, elle va dormir à la maison, je m'en fous. Yo, ça, non, ça m'a énervé. Bon, les gars, là, on est à Gucci. Là, on avait prévu de venir de base. Un centre, genre, de plusieurs magasins. Oh, il y a beaucoup de magasins. Ouais, les prix. C'est ça, il n'y a pas de prix. La première fois que j'ai touché du Gucci. Il a touché une seconde après, il a enlevé ses mains. Il n'y a pas de prix qui apparaît parce que genre, c'est juste ceux qui ont de la thune qui disent bonjour. Pourquoi il n'y a pas de prix? Il faut qu'on vous demande, c'est ça? Oh, ok. Vous pensez que je peux acheter quoi avec ça, les gars? Là, parce que, là comme la meuf qui a travaillé, c'est la boutique là. Donc là, je vais faire clarer, tu vois. Donc, avec ça, je pense qu'on peut acheter ça. Bon. Je peux juste avec cette pièce là, les gars, je peux juste acheter ça. Peut-être ça, je suis sûr. J'ai fait clarer juste pour que la même fois. Bijou, tu vois, c'est assez. Check, c'est assez ou pas? Pourquoi? Parce que ça a parlé. C'est okay, vraiment fou. Go. Mais quel est ton préféré? Pour l'instant, une sacoche. Tu as mis ça à l'école? Non. Tu as aussi des vêtements ici ou juste des sacs? Des vêtements, oui. Ça dépend si c'est pour les hommes ou pour les femmes. La femme, c'est ça au troisième. Les hommes, c'est ça au quatrième. Ah, ok, vous bien encore? Oui, l'étage d'ici là, c'est juste des pour sacs. Les sacs. Et ok. Aussi, oh. Les hommes et les femmes. Ouais. Les wallets, c'est combien en moyenne? Oui, c'est là-bas. Ça dépend du modèle. Il y a le card holder, il y a le wallet. Donc le wallet, c'est à partir de $500. $500, ok. Ça dépend si c'est en cuir ou si c'est plus en covers. Le prix, c'est ok, d'accord. J'ai envie de tester. Non. Ici, il y a un verre. Non, il n'y a pas de verre.
Attends, ce qui m'a choqué, hein, c'est quoi le prix du portefeuille en moyenne? 500 dollars. C'est quoi le sujet d'acheter ça? Au lieu, on va dire à Tumi, 50 dollars. 50 dollars pour un portefeuille, moi je m'en fous de la marque. C'est trop cher. C'est trop cher pour rien. Oh, toi t'es lourd, putain. Et on va aller voir ça. Tu vas me dire que ça coûte 500 dollars? Ça coûte pas 500 dollars ça. Attends, c'est le prix? Non, on va dire ça coûte 500 dollars. Écrivez dans les commentaires les gars, est-ce que selon vous ça coûte 500 dollars ça? Ça vaut 500 dollars? 500 balles. Mais viens, est-ce que je vais acheter ça avec ça? On va. Un truc comme ça, ça là. Hey, on a... Où ça? C'est vilain. C'est beau, gros. What? Oh, viens voir. Check ça. Ah, ça je sais que c'est populaire. Ouais. Mais elles sont belles. Ici, elle a du Gucci. Quoi? Balenciaga Boo. Balenciaga Crocs. Oh. Les pieds. Les pieds sortent. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Qui se dit c'est beau? Je vais acheter ça. Oh, comment c'est balèze. Ça, c'est ma taille. Ça va? Okay. Attends, que ça, c'est ma taille. Ça, c'est du 8 US. Ah, ça aussi, ça, je connais. Quoi? Des chaussures comme ça, Louis Vuitton. Et LV. Comme ça, genre. Oh, mais ça, c'est des belles paires. Ok, donc si on achète ça, tu vois le reçu, ça coûte 1600 balles. Tu le portes pas là à l'école, oui ou non? Non. On t'achète ça, tu vas pas porter? Non. Ah, tu vois, c'est beau. Regardez ça. En plus, il est beau dans l'habillement. Ça, je porterai ça. Le cap, ça, c'est du jeu. Yo. Déchiré, c'est du jeu. C'est ça qui est cool avec Balenciaga. Des trucs comme ça, mais c'est du style, c'est de la fashion. C'est la fashion. Juste, c'est bon, on a compris avec l'alias là, on a compris. Mais les gars, on n'est pas là pour flex en passant. Hein. J'ai amené l'alias ici parce que. Juste, retire ça parce que c'est la monnaie ici. Si on a ça, on n'a pas besoin de parler. C'est tout. Les gars, regardez ça. Ça, c'est ça. On vient de quitter Gucci là, il n'y avait pas de grand chose là-bas. C'est comme tous les magasins qu'il y avait de l'autre côté. Et encore là, le monsieur nous a dit pas le droit de filmer ici. On dirait partout ici, on n'a pas le droit de filmer. Super. Yo, attends, ils vont porter plainte contre moi? Imagine. Pourquoi? Parce que tu filmais avant. Je sais pas comment expliquer. Yo, mais il y a personne qui apparaît ici, il y a la tête de personne qui apparaît ici. Et je peux montrer des millions de vidéos de personnes qui sont aux États-Unis qui vont dans des magasins Gucci comme ça, qui magasinent. Genre, ça fait quoi? En France aussi. Ça fait quoi? C'est le king. Ok, bijou. À la ville. 1, 2, 3, 4. It's for me. Finis tes maths avant de parler de ici pour moi. Là on est où? Giorgio Armani, je connais ça. C'est des marques de luxe, bro. Moi, les gars, pour de vrai, je m'habillerai comme ça. Je m'habillerai vraiment. Comme ça, ouais. Comme ça, je m'habillerai. Mais comme ça aussi. Juste. Comme ça pour des fêtes. Il n'y a plus rien, là on a tout vu. Mais pratiquement. Et puis le plus on marche, le plus ils disent d'arrêter de filmer. Donc. Je pense qu'on va se retrouver dehors, hein, les gars. Ouais. Les gars, on est finalement sorti de... Ah, ça fait juste blesse, ça fait du bruit. On est sorti de là-bas, on est allé à Gucci. Le monsieur là-bas a dit d'arrêter de filmer. On est allé à Louis Vuitton, la madame nous a pressé. C'était une dame là. Donc là maintenant, on a marché, on est arrivé à Burberry. Et là, il y avait pas grand-chose à voir à Burberry à part leur chapeau là, typique là. Vous voyez le chapeau... comment on appelle ça? Dentelé? Comment on appelle la couleur de Burberry là? Carotté. Il y avait ça là-bas, puis c'est tout là. Et après là, on est sorti, on a fait un petit tour, après on est sorti. Puis on va finir la vidéo comme ça. Je compte acheter une Rolex. Pas parce que je flex, pas parce que j'ai envie d'une Rolex, mais dans l'avenir, je compte revenir ici, dans cet endroit-là, habillé, je m'en fous, habillé comme je veux, en jogging, en Nike Tech. Ils m'ont dit comme, oh, what the fuck? Tu crois que ceux qui viennent acheter des Rolex, ils sont habillés en jean? Ils sont en jean. Mais là, il y a un gars noir avec des dreads, avec un jogging, avec son petit frère et peut-être sa daronne, je sais pas. Ils viennent et puis ils achètent une Rolex comme ça, comme si de rien n'était. Je vais faire ça juste pour leur prouver de ne pas se fier aux apparences. J'espère que c'est pas une amende. J'ai mal garé la voiture. Non, j'avais le droit de garer la voiture là-bas pendant juste 15 minutes. Et je l'ai laissé là-bas pendant peut-être combien de temps? 35 minutes. Donc ça se trouve, la police a passé à côté, elle a dit, ok, on va garder cette voiture-là. S'il est là d'encore 20 minutes, je donne un ticket. Ils m'ont donné un, mais j'espère que non. Peace les gars pour notre vidéo.